On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur la window. Voici la guidance du vendredi 9 février 2024. On y va les amis pour ce vendredi. On démarre avec un premier message du petit oracle, des guides de lumière. Et on vous dit, la vie est mouvement. Tiens, hier on sentait ça aussi qu'il allait y avoir du mouvement. Rien n'est jamais vraiment acquis. Tout évolue sans cesse. Afin de ne pas souffrir, ne résiste pas au changement. Adapte-toi et accompagne-les de bonne grâce, car les énergies sont en perpétuelle quête existentielle. Ouais, tout évolue sans cesse. Ne résiste pas au changement. Et ouais, on y va de bonne grâce. Les énergies sont en perpétuelle quête existentielle. Bien, bien, bien. Voyons voir du côté du tarot. À la coupe, oh, magnifique. Nous avons l'étoile et le 5 de coupe. Alors, l'étoile, vous êtes guidée. Vous êtes protégée. Il y a une notion de guérison et d'authenticité, d'être connecté à soi, à son étoile intérieure, sa lumière intérieure. Vous purifiez vos énergies, là, on me dit, émotionnellement parlant. Émotionnellement parlant, il y a des déceptions. Alors ça sent fortement des chemins qui se séparent. Ça sent inévitablement que c'est comme ça, c'est écrit. Elle n'en sort plus de ma mémoire. C'est des déceptions. C'est des déceptions hein, sur des liens qu'on tisse et qui s'effritent et qui nous déçoivent, qui... Malgré l'affection comme ça, on sent qu'il y a quelque chose de vide. C'est peut-être des personnes autour de vous, vous vous dites finalement, il n'y a rien de profond, c'est vide. Et c'est ainsi, c'est écrit. Et c'est sans jugement, hein, parce que qui n'a pas connu de période à vide dans sa vie, avec peu de soi à offrir aux autres, vu qu'on en avait déjà pas assez pour soi. Alors, le jugement, je vous ai dit, sans jugement, par contre, vous avez une sacrée renaissance ici. C'est gloire, gloire à Dieu ici. Je me permets parce que c'est vraiment le jugement et le pape. Je sais bien que tout le monde ne croit pas en Dieu, mais c'est un petit peu trouver cette énergie à l'intérieur de soi, de prière, de foi. La conviction que vos prières ont été entendues. D'ailleurs, pour certains, si vous vous sentez déçu aujourd'hui dans votre vie, avec la coupe qu'on a eue, c'est « ben oui, mais ce que vous avez aujourd'hui, vous l'avez prié il y a peut-être 10, 20, 30 ans. » Et aujourd'hui, vous voyez ce que je veux dire, vous vivez déjà une ancienne prière que vous aviez émise quelque part, une situation de vie ou comme ça. Et voilà, voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai ce message à vous livrer. Le jugement, 6 de coupe, on se libère. On libère une énergie d'enfance, de jeunesse. On libère une forme de blocage lié à, je sais pas moi. C'est pas de l'immaturité, quoique, mais... ouais. Je vois des amis d'enfance, hein, pour certains, où j'ai vraiment le sentiment que... Hey, les amis, bonne nouvelle aujourd'hui. Hein. Bonne nouvelle qui va être célébrée. Bonne nouvelle qui va être célébrée. Il y a un truc qui va vous changer, vous donner confiance par rapport à quelque chose de passé. Il y a une libération totale pour certains dans le chemin que vous empruntez. Et je ne sais pas, il y a un truc avec les enfants. Et puis, vous avez la maturité, la sagesse. Le rôle de transmetteur ici, de transmission, vous voyez. Donc,
pour certains, vous avez un déclic hein, par rapport à... Je vois des enfants à la récréation ou comme ça, et ils s'amusent avec vous, vous êtes au centre du truc. Je vois des enfants qui veulent s'amuser. Je sais pas à qui ça a parlé. Sinon, je vois une très très bonne nouvelle qui va être célébrée. Alors ça, oui. Tout simplement une solution de trouver, hein. Une solution de trouver avec le pape et la justice, c'est bien. C'est très très bien même. Je vais vous lire l'association. Le pape et la justice. Légalisation de liens affectifs, régularisation de situations professionnelles, règlement d'affaires administratives, parfait équilibre matériel, conclusion de procès en cours. Et le 3 de coupe indique une célébration, quelque chose de positif. Donc, il n'y a pas grand-chose. Le résultat, c'est quoi? Le résultat, celle-là. La force, le courage, bravo. La détermination, l'audace. Savoir rugir quand c'est le moment de rugir, savoir mettre voilà, la main de fer dans un gant de velours, savoir être conciliant, diplomate, patient dans certaines situations et dans d'autres, faire preuve d'autorité, de dire non, non, vous voyez, ou des choses comme ça. Bien. Justice et force, c'est... Voilà, vous êtes déterminé à gérer quelque chose ici, ou à reprendre le dessus. C'est hier qu'on avait déjà reprendre du poil de la bête? Je ne sais plus. Un truc du genre. Ah, je vais y arriver ou pas? Ah, c'est vrai que c'est inversé dans le jeu là. Ouais. Donc, vous pourriez être face à certaines personnes, ou bien vous avez développé ça un certain temps. Où on vous parlait de situations où il y avait un manque de souplesse dans la vie amoureuse, une rigueur, une intransigeance dans des échanges, une forte volonté de maîtriser des activités professionnelles, donc une lutte de pouvoir dans le professionnel. Besoin de, là, il y a besoin de contrôler sérieusement la gestion financière et pour pouvoir concrétiser des projets. Mais ça, ce qui est intéressant, c'est que sur le manque de souplesse, la rigueur, exigence et le besoin de parfaite maîtrise, c'est ce que la dureté que vous aviez envers vous-même. Le pape est beaucoup plus doux. Le pape apporte quelque chose de plus sage. Où là, on vous dit que les échanges sont rassurants, sécurisants, qu'il y aura une maîtrise professionnelle, que la situation matérielle est sous contrôle, que les projets en cours se concrétisent. Voyez, c'est positif. C'est positif. Donc, bim, bim, bim. Sur le 6 de coupe, la reine de denier. Je vois, je vois. Je sais pas pourquoi je vois une personne qui s'occupe d'enfants. Je vois quelque chose de ludique. Ouais, c'est fun. C'est fou, c'est fun, c'est, voyez? C'est marginal, c'est joyeux. Peut-être vraiment une bonne nouvelle, peut-être sur le plan financier qui vous permet de... d'être un peu léger ou légère aujourd'hui. Ouais, on vous parle d'une vie émotionnelle, sentimentale, c'est animé, c'est fantaisiste. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose comme ça. On peut avoir un développement inattendu des activités. Donc vous pourriez avoir une idée, hein, qui, voilà, la jeunesse, l'enfance, il y aura toujours du travail dans ce domaine-là. Il y aura toujours des enfants sur Terre. Donc, on m'avait donné ce conseil un jour à Vegas, d'ailleurs. C'était un... Ouais. Ouais, bref. Autour des enfants, c'est vrai qu'il y aura toujours du travail. Je sais pas, moi, c'est écrire des livres pour enfants ou créer des jeux ou... Travailler dans un cirque. Mais il y aura toujours des enfants sur Terre. C'est ça, ouais. Ouh, vous êtes prêt ou vous n'êtes pas prêt? Redressement d'une situation matérielle chaotique. Lancement enthousiaste de nouveaux projets et inspiration originale et créative. Bien. Bah, allons-y, hein. Allons-y, allons-y. Vous avez vraiment cette notion de...
Vous allez réussir quelque chose, de cesser de se mettre la pression, de le voir comme quelque chose que vous subissez, comme une obligation. Là, vous vous enlevez le fardeau de je subis, c'est lourd, c'est je suis obligée, voyez, pour aller vers quelque chose de vraiment plaisant aujourd'hui. Ben, impeccable, l'impératrice. L'impératrice, c'est l'abondance, c'est avec la justice, c'est bien. C'est une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle ici. Sur la force, la roue de fortune. Magnifique. Il y a pas mal d'arcanes majeures aujourd'hui. Hein. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Sept sur 12 cartes, c'est beaucoup. Donc la force et la roue de fortune, le roi de denier, ça y est. Il y a une bonne nouvelle. Hein. La roue tourne en votre faveur. Bravo. Bravo. Ouh, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Des rois et des encore as, 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 as d'épée, encore des arcanes majeures là. Donc, bon, bah voilà, hein. C'est balèze. L'empereur, l'impératrice, c'est bon. C'est même, vous pourriez avoir une personne qui vous conseille, c'est très complémentaire. Même si vous n'avez pas du tout les mêmes énergies, qu'il y en a un qui est à fond boulot, carrière, parentalité, des choses comme ça, et l'autre qui est avec des énergies plus dans l'émotionnel, c'est masculin-féminin de toute façon. C'est complémentaire, c'est respectueux, c'est soutenant. Et puis il y a de l'aisance, j'ai une notion d'aisance. Bon, fin, guérison totale. Ouh, c'est bon. Très très bon même. Donc je n'ai plus qu'à vous lire l'association de la force et la roue de fortune, sachant que la roue de fortune, elle tourne là, elle tourne vraiment en votre faveur. C'est un coup de pouce du destin là pour vous enlever. Allô? Mais non, c'est la force. Ah, c'est inversé dans ce livre. La force et la justice sont inversées dans le Rider-Waite. Bref, force et justice, allons-y, 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 on enchaîne la win. Relations affectives bien établies, accord ou engagement professionnel, maîtrise et rigueur dans la gestion financière, régularisation des projets en cours, excellent équilibre personnel. Yes, c'est cool ça. C'est cool. Donc on tempère aussi un petit peu tout ce qui est excès, sortie, on prend soin de soi, on prend du temps pour soi, vous voyez. Mais il y a une notion de fantaisie, mais ça m'a l'air d'être professionnel ou lié à de l'enfance, vous voyez. Super, très bien. On prend et on passe à la suite. On y va avec les 77, on tourne le dos à l'obscurité. Ça dégage. Vous voyez, il y a l'idée de. On tourne le dos à quelque chose. Ça vous met dans une situation où vous êtes bloqué, vous êtes emprisonné, vous êtes limité, vous vous sentez. C'est comme moi quand je regarde par ma fenêtre, quoi. Il n'y a que de la brique, du barreau, ça respire pas, quoi. Du vis-à-vis, ça manque de. Ouais. Ouais, vous dites non. Pour certains, vous. Ouais. Vous dites oui à quelque chose qui avance professionnellement. Et vous savez, pour certains, vous éloignez, comme je vous disais, des excès ou de certaines relations un petit peu superficielles qui vous détournent de ce magnifique pape qu'on a eu, qui vous apporte le déclic, la réponse, qui vous sort de. Ouais, complètement. Alors là, c'est cool, hein. Vous coupez avec un obstacle comme ça. C'est immédiat, hein, parce que c'est la carte de l'hiver, c'est actuellement. Un blocage, là, il y a une solution, c'est positif pour vous permettre de. Mais par contre, il faudra tourner le dos. Hein. Faudra tourner le dos ici. Hein, à vraiment des personnes qui essayent de vous dire non, non, c'est toi qui es bloqué, c'est toi qui. Bon, bref. De toute façon, c'est une conséquence, hein, de quand on se sent bloqué ou comme ça et qu'on, entre guillemets, qu'on donne le pouvoir à d'autres personnes. Malheureusement, ça abuse souvent beaucoup. Alors, oups là, qu'est-ce qui m'a mis en commentaire? La win, depuis que tu fais le tirage comme ça, on voit que tu te rebelles, hein, tu jettes les cartes maintenant. C'est vrai, je ne m'en rends pas compte. Mais j'aime bien les faire voler. Le vaisseau, donc.
le masculin. Il y a une notion de lenteur ici, de développer doucement mais sûrement. J'ai le cœur sacré, j'ai le conflit ou le blocage, l'arbre, donc votre santé, la vitalité, les liens familiaux, comme ça, les questions et le résultat. Ouais. Il y a une question de patience ici. Parce que, ou d'acceptation, vous voyez, de libération, parce que j'ai une situation où on ne voit pas tous les choses de la même manière, on ne se comprend pas tous de la même manière, où personne ne comprendra jamais ce que vous vivez. Vous aurez beau l'expliquer de toutes les manières, avoir besoin pour forcer une personne à vous comprendre, ça ne fonctionnera pas comme ça, vous voyez. Que quelqu'un comprenne votre situation, fasse preuve d'empathie, de soutien, mais ce ne sera pas dans la manière dont vous l'exprimerez si votre intention c'est « j'ai besoin que tu me comprennes, que tu comprennes ce que je vive ». Parce que dans cette démarche-là, il y a presque l'idée que vous voulez que la personne ressente ou vive pleinement ce que vous vivez, ce qui est complètement impossible, vous voyez. Donc, pour d'autres, vous pouvez être embêté d'une personne autour de vous qui ne peut pas vous suivre, qui n'évolue pas avec vous, qui peut être bloquée hein, dans un lieu, qui ne peut pas vous suivre, et puis qui ne voit pas la direction que vous prenez, bonne pour elle, pour vous peut-être, mais pas pour elle. Bon, vraiment quelque chose financièrement comme ça qui est en grande amélioration, donc ça, c'est... Très, très bien, on signe. Et voilà, après, c'est... On va demander un petit peu plus, mais je n'avais pas besoin de remélanger, mais bon, c'est pas grave, la sérénité, ouais. C'est une personne, je ne sais pas si c'est vous, mais on ne comprend pas pourquoi vous bloquez. On ne comprend pas pourquoi vous n'êtes pas bien, pourquoi vous n'allez pas mieux, vous voyez? Pourquoi vous n'arrivez pas à régler quelque chose, mais par contre c'est très pourquoi vous n'y allez pas, pourquoi vous démarrez pas quelque chose, pourquoi vous n'arrivez pas à... je sais pas si c'est vous engager, signer un contrat de travail, vous engager dans une vie sentimentale, familiale, parentale, pourquoi vous votre rythme est plus lent, pourquoi vous voyez des choses comme ça, il y a pourquoi mais en même temps j'ai presque le sentiment d'une personne qui a envie que vous avanciez, qui a vraiment à cœur que vous avanciez et qui vous rassure sur l'idée que c'est OK que ce soit lent ou que la vie, il y ait des hauts, il y ait des bas. C'est peut-être vous vis-à-vis d'un ou d'une partenaire hein, qui est dans un traumatisme de famille, de vie et qui a de la difficulté à aller vers une guérison et à voir les choses comme vous les voyez. Là, je ne vous cache pas, pour certains, ce n'est pas toujours évident. On se demande quand est-ce que je vais me sortir de cette situation. Il y a une accumulation ici de quelque chose qui peut vous fatiguer physiquement, clairement. Et vous ne voyez pas quand est-ce que ouais, vous allez pouvoir souffler, vous sentir mieux ou avoir presque une seconde chance, je dirais. Ah, bah, j'en ai deux. Alors, du coup, je me retrouve avec un autre dos de deck. J'ai l'idée d'un engagement, d'une signature qui serait une solution, un accord. Oui, j'ai un accord. Un accord qui est là. Il y a une proposition. Je crois qu'on vous fait une proposition, un accord. Et je crois que... Vous voyez ce que je veux dire, c'est pour vous, hein, pour que vous puissiez avancer, hein, pour que vous puissiez concrétiser quelque chose. Mais il y a une part de vous qui, je ne sais pas, dans votre tête ou physiquement, vous dites, je n'ai pas la force. J'ai plus la force. On a le sentiment sur cette ligne-là d'être, je suis bloquée, je suis dans une impasse, je n'ai plus du tout d'énergie. Où est passée mon énergie? Où est passée, vous voyez le côté
force, quoi, le côté... comme si vous vous disiez, mais j'ai jamais été comme ça en fait, jamais été aussi fatiguée dans un état de presque de faiblesse, mais dans le sens vitalité, vous voyez. Et là, je vais faire comme ça parce que c'est assez lisible. C'est du temps, mais c'est du temps et du temps et du temps. À tourner en rond dans ce labyrinthe, jusqu'au moment où je crois que, je ne sais pas, il y a un truc où vous vous posez les bonnes questions. Et là, ça y est, vous lâchez prise, vous faites le deuil. Vous faites le deuil de... Moi, je vous dis, il y a un blocage, il y a quelque chose qui... ou une personne qui ne va pas vous suivre vers l'idée de santé, de bien-être ou d'un projet. J'ai l'hiver, le printemps, l'automne, ça fait beaucoup de saisons. J'ai quelqu'un que vous ne voyez plus. Il y a une personne autour de vous que vous ne voyez plus ou que vous n'allez plus voir. Vos chemins vont probablement un peu se séparer. Une personne qui est déjà passée dans la lumière. C'est peut-être un proche hein, auquel vous êtes lié par le sang. Et longtemps, vous vous êtes dit, mais... Quand est-ce qu'elle va s'en sortir? Et c'est vous l'idée de... Je vois bloqué, c'est vous qui êtes bloqué dans une impasse ici, un truc qui est lourd. Et il y a un manque de printemps, c'est-à-dire un manque d'épanouissement, un manque de vie, un manque de ou d'espace. D'espace, ouais. Mais pourtant, il y a la sérénité qui est là. Il y a la sérénité. Alors, je vais demander la ligne du haut, parce que là, je vous avoue que... Je vois bien hein, sur la ligne du milieu qu'il y a un rendez-vous. C'est vraiment pour vous aider à tourner le dos à une prison. Un engagement que vous avez pris hein, avec une entreprise ou un truc comme ça, qui ça n'avance pas, ça n'avance pas. Ça ne vous a pas libéré, ça ne vous a pas sorti de la situation pour laquelle vous avez signé, hein, pour, vous voyez. C'est pas grave. Ouais. Je vous cache pas que l'idée, c'est que vous allez trouver la sérénité. Il y a quand même un rendez-vous où je pense quelqu'un qui va vous vouloir du bien. Mais je vous cache pas que là, il y a quand même l'idée d'un... presque d'un abus de confiance. Je ne te parle pas de cette personne-là, parce qu'elle est au-dessus et qu'elle a les énergies, elles sont tranquilles, elles font leur bonhomme de chemin, et il y a le cœur protégé, sacré, donc ce n'est pas quelqu'un de mauvais là-haut. Mais je pense que là, il se passe quelque chose où vous voulez changer. Moi, je vois quelqu'un qui veut changer de lieu de vie, hein, qui subit quelque chose et qui est en train de se rendre compte que pour retrouver la sérénité... Il y a quelque chose à quitter. Hein. L'automne, c'est vraiment le lâcher prise et ce qui ne va plus, on balaye. On le balaye. Hein. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être l'idée d'avoir réussi à trouver un logement ou quelque chose comme ça. Ça a tellement été une galère pour certains que l'idée de changer, vous dites, ben, j'y arriverai pas. Ou je ne retrouverai pas, je ne sais pas. Il y a peut-être un propriétaire là. Ou l'idée de devenir propriétaire. Est-ce qu'il n'y aurait pas le soutien d'une personne ici? Vous voulez devenir propriétaire pour certains? Ou monter une structure, une entreprise? Mais vous n'êtes pas serein ou sereine.
Moi, j'ai quelqu'un qui vous dit arrête de retourner en arrière dans tes croyances limitantes, sors. Je vois, voyez, on voit quelqu'un qui vous dit sors de ça, sors, nais, fais naître le truc. C'est peut-être un soutien, hein, vous voyez? Un soutien ici. J'ai quelqu'un, pour moi, qui peut avoir douté de vous, hein, parce que vous aviez tendance à avoir une attitude, un comportement qui pouvait sembler presque faire craindre une instabilité ou que un auto-sabotage. Voilà, ouais, très bien l'auto-sabotage, ça me va. Manque de sérénité, de confiance, de vivre dans le moment présent. Ah, pour certains, c'est ça, hein. Une dernière. Je vous dis, pour certains, vous allez lancer quelque chose. J'ai soit quelque chose par rapport à un bâtiment, ou... Ça va vous apaiser, vous apporter la sérénité, ou en tout cas, aujourd'hui, on vous dit que vous avez l'expérience, la maturité pour faire un bon partenariat. Et pour certains, je retrouve la tête dans les étoiles, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire la tête dans les étoiles, mais vous allez être ancré, posé ou comme ça. Pour d'autres, il se peut que vous soyez en négociation professionnelle. Ici, une personne précédemment, c'était des énergies où vous étiez trop jeune, peut-être. Mais là, vous êtes en position pour pouvoir négocier. Hein. VRP, vous n'êtes pas obligé d'accepter la première offre. Hein. La fécondité, vous êtes en pouvoir de force ici sur une négociation. Voyez? Donc, si par exemple vous avez un patron qui vous recontacte pour vous demander du soutien, de l'aide pour une entreprise ou comme ça, vous serez en position de force. Pour procéder à plusieurs négociations. Vous pourriez obtenir beaucoup par rapport à des conditions. Même comment ça s'appelle quand on... Un appartement, un lieu de fonction, un appartement de fonction. J'ai quelque chose comme ça. Il y a plusieurs situations. Hein. J'ai quelque chose... Dans le sens, on voit un lieu de vie, on voit un projet qui prend vie. Et vous allez réussir, hein, vous allez réussir. Signature, vous allez signer. Vous allez célébrer. Par contre, c'est après, vous êtes en roue libre. C'est à vous de gérer. C'est ouais. Sera plus le moment de procrastiner ou de vous cacher. Ok, concluons. Bon, je les prends hein, parce qu'elles sont vraiment bien retournées. Donc, qu'il y en a trois. Donc, je me dis que c'est peut-être ce qu'il nous faut comme message pour aujourd'hui. On a le moment présent, l'abondance et la logique. Alors, le moment présent, vous dit, c'est le... Non, revenez-en, revenez, pardon, au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. L'abondance, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie et la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, l'irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. J'ai l'impression qu'on peut se raccrocher aux besoins de soutien ou d'une personne ou comme ça pour être... Mais... J'ai le sentiment que, pas que vous soyez en... Si, vous êtes en roue libre. Si, c'est ça. Et la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Il va falloir vous faire confiance ici. Ouais, vraiment la méditation, hein. Vous allez y arriver, hein, je vous le dis. L'amour, la perle, la bonne nouvelle. Ok, j'ai quand même envie d'en remettre une sur la logique, l'intuition,
votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Il y a une solution qui va apparaître, mais faites-vous confiance, écoutez-vous. Les aides, c'est invisible, je le sentais. Déjà hier, je sentais qu'il y avait un truc... Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Alors, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Faites confiance à votre intuition. Il y a un truc ici qui apporte de la joie. Je ne sais pas pourquoi... irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Et la solution, la réponse, c'est écouter votre cœur, regarder en vous, alors tout s'éclaire. Bon, vous prendrez les messages qui vous sont destinés. Moi, je réécouterai, parce que j'ai pas l'impression d'avoir reçu tout de suite le message. Bref, on passe du côté du sentimental. C'est bon pour vous, pour le général. Donc, on y va pour l'histoire d'amour avec le Gilded. À la coupe, on a le vaisseau et le chien. Il y a un éloignement au niveau de certaines amitiés, ça ressort, ou de certains liens. Peut-être que vous allez rendre visite à des amis ou qu'un ami va vous rendre visite, hein, ou une amie, hein, vous adaptez. Vous avez des nouvelles ici. Je vois quelqu'un de marié, je vois quelqu'un qui est dans une position assez solide, assez stable, ancrée. Un ami ou un frère, quelqu'un de proche, quoi. Quelqu'un de proche. Qui peut vivre à l'étranger aussi. De longue date. Hein. C'est l'ancre et l'anneau, c'est vraiment des amitiés de longue date, des liens de très très longue date, qui ne changent pas avec le temps. Hein. C'est des personnes, ça c'est chouette, on n'en a pas 10 milliards dans la vie, mais c'est vraiment celles... vous savez qu'elles vous trahiront jamais. Enfin bon, il ne faut jamais dire jamais, mais... Donc, ouais. Oh, vous avez une personne qui vous soutient, hein, presque financièrement. Si, enfin, je veux dire, par exemple, c'est le genre de personne, si vous avez une problématique ou comme ça, vous pouvez demander de l'aide, elle saura vous faire une proposition ultra bienveillante et... Waouh. Ok. Je sais pas, il y a peut-être un voyage qui se trame pour certains. Vous avez envie de partir à l'étranger. Vous ne savez pas comment vous y prendre pour envisager une vie différente de ce que vous avez toujours connu. Quelque chose qui... La lettre, le courrier... L'hélice, donc il y a quelque chose d'officiel ici. Ça peut être des transactions hein, au niveau de l'administration, des banques, des signatures. Là, on est vraiment sur tout ce qui est... Ou alors, si on est célibataire, ici, ce sont des discussions très profondes, dans la bienveillance, dans la tendresse, le soutien autour de la solitude, l'isolement ou comme ça. Parce qu'au final, même si on peut être marié, engagé ou comme ça, il y a une part de nous qui peut se sentir toujours un peu seule. Changement, transformation, le jardin, la clé et l'arbre. Le bouquet, la maison. Donc, pour moi, vous avez une proposition ici. Une proposition qui est stable, qui est plaisante. Pour vous aider à débloquer un truc. Et ça vient de la part d'une personne de anneau, ancre et amour, étoile, c'est vraiment sincère, c'est protégé, c'est en confiance, c'est solide, c'est... J'ai l'impression qu'on vous parle d'une solution. Parce que le cercueil ici, il y a quand même l'idée que... C'est peut-être des proches, des amis qui vous donnent un coup de main pour un déménagement. Hein. Il y a des trucs lourds à porter. Bon. Après, on a tous notre fardeau. Hein. Il y a quelque chose à déposer ici. Alors,
c'est pas du tout à qui ça va parler, mais au niveau de l'émotionnel, on vous parle de l'annonce d'une personne qui pourrait être passée dans la lumière. Mais ce que ça me dit surtout, c'est que cette annonce-là, ça vous apporte. Ouais, vous avez des nouvelles d'un monsieur. J'ai quelqu'un qui va vous annoncer quelque chose et ça a l'air d'être de l'héritage. Ah, j'ai compris. Attendez, attendez, attendez. C'est pas nécessairement un décès. Ou ce que je veux dire ici, c'est que ça peut être une personne qui est déjà dans la lumière depuis très longtemps, qui vous protège de là-haut, un papa, une maman, comme ça. Mais vous avez des nouvelles ici, des nouvelles qui arrivent. Je vous dis, peut-être en rêve ou comme ça. J'ai quelque chose qui vous invite vraiment à avoir la foi, hein. Courrier amical et serein. Pour une collaboration, pour un rendez-vous, une union, un partenariat ou quelque chose comme ça. Et vous allez conclure à quelque chose. Et c'est vraiment. Ça veut dire que pour certains, dans une relation, vous allez officialiser, vous allez être présenté à votre belle famille ou aux amis ou quelque chose comme ça. Ça peut être l'idée du décès, ça veut dire la personne qui quitte le célibat pour entrer dans une vie de couple. Vous voyez, qui arrête une tranche de vie pour entrer dans une autre. Ok, donc du coup, qui a envie de clôturer quelque chose, voyez, une version d'elle-même, une carrière ou un truc comme ça pour pouvoir conclure quelque chose avec vous. Donc ça peut être pas mal. Je sais pas pourquoi, mais on parle ouais. Il y a quelque chose qui va être conclu et on va être fier de vous et il y a quelque chose qui va être célébré, on va être fier de vous. On va être fier de vous. Très très fier de vous. Bravo. C'est chouette, ça fait plaisir. Ça fait bien plaisir. Tiens, je vais regarder la clé. Là. Oh non, toutes les feuilles sont tombées. Ok, voyons voir la clé. Bon, la clé, ce sont des solutions, hein. Surtout par rapport à. C'est votre entourage. Votre entourage qui va, je ne sais pas, se réunir pour vous aider à trouver une solution. Surtout par rapport à. Je ne sais pas pourquoi pour certains, hein, c'est par rapport à un déménagement, hein, porter des charges, des trucs lourds. Bon, bref. Ensuite, 30. Guérison, solution. Bien. Je vais en mettre quelques-unes parce que là, c'est vraiment très soutenant de la part du cercle amical ou de l'administration, surtout, ou d'un monsieur, on a vu. Vous avancez. Ah ouais, changement, hein. Je vous dis, hein, pour certains, il y a une bonne nouvelle et vous allez déménager, hein. Parce que j'ai le bâtiment, j'ai le contrat, j'ai la clé, il y a une vente, il y a un achat, il y a quelque chose de très concret, hein. Alors le vaisseau, peut-être que c'est dans les 3 mois à venir, mais ça vous sort, c'est vraiment le bien-être là, ça vous sort de tout ce qui est stress, manque d'énergie ou comme ça. Ouais. Ça vous sort de la tristesse, de la mélancolie. La fin d'un fardeau. Je vous dis, il y a un truc. Par contre, il y a un truc lourd, mais lourd. Je pense que c'est une vraie charge lourde. Et la chance qui est au rendez-vous. Vous avez vraiment l'idée de chance aujourd'hui. Il y a la fin d'un fardeau ou vous quittez un lieu où vous êtes triste, vous n'êtes pas bien, il fait gris, c'est monotone, ou un rythme de vie ou comme ça. Et c'est l'entourage qui vous apporte tout ça. Donc voilà. Vraiment une bonne chance au niveau de l'administration. Je vais juste garder ça. La fin d'une mélancolie. Vous arrivez à avancer, à déposer un fardeau pour aller vers un changement. On vous parlait de mouvement, de changement, hein. Rien n'est jamais acquis, tout évolue sans cesse. Afin de ne pas souffrir, ne résiste pas au changement. Alors, qui dit changement, parfois peut se faire justement avec la croix. Dans des situations qui vous semblent chaotiques. N'ayez pas peur de les traverser, de traverser le stress comme ça, parce que vous avez les solutions, vous avez les clés aujourd'hui. Ok, je voudrais juste. Ah, punaise, mais la guidance est super longue en fait.
Vous savez, il faut que je vous dise, de toute façon, long pour long. Parce qu'en fait, dans mon programme, quand je tourne les vidéos, je me donne certaines journées. Et là, on est mercredi, au moment où je tourne la vidéo. Et le mercredi, c'est le jour où je reprends les tournages. Donc, du coup, je ne sais pas, mais soit c'est super dynamique et ça va très très vite, ou soit je m'étale, je suis contente, je suis trop contente de reprendre les vidéos. Donc, parfois, elles sont hyper longues. Alors, là, on peut voir qu'il y avait un blocage qui vous stressait. Vraiment très pénible, hein, très très pénible, un environnement comme ça, très lourd, hein, très très lourd. Ou c'est une décision que vous allez prendre, hein, de mouvement, de changement, et le sentiment de... Ouais. Moi, je vois régler quelque chose, hein. Travail, administration et mauvaise fréquentation, relation, je vous sens bloqué, hein. Ou trouver des solutions comme ça. Mais je vais quand même demander le jardin. C'est des personnes jalouses, ça, sur le travail que vous faites, la réussite que vous avez. Le fait de penser à vous, de prendre soin de vous comme ça. J'ai à nouveau l'idée de personnes qui sont à l'étranger, qui voyagent ou comme ça. L'idée de documents, de visas, de contrats. J'ai des communications. C'est vraiment protégé ici, destiné. Ouais, vous bougez, hein, ça ressort. Même ça peut être des personnes autour de vous qui vous veulent du bien, hein, qui disent mais t'es pas bien, barre-toi, va vivre autre chose, pars à la montagne, change d'air, va dans la nature. C'est pas grave. Nous on est là, il y a de l'agitation, on vit notre vie, on est heureux comme ça. Mais si toi ton destin c'est d'aller vivre autre chose. Pour ta bonne santé, pour être serein, sereine, n'aie pas peur. Et c'est du soutien, hein. J'ai des personnes qui vous soutiennent dans des démarches. Hein. Des démarches qui peuvent vous stresser, vous angoisser. Ça ressemble à un voyage, à un déménagement. Ça ressemble à une mutation ou un changement ou quelque chose comme ça. Donc c'était pas très émotionnel, si ce n'est que moi je vois plus le sentiment que vous allez accepter qu'un environnement n'est plus bon pour vous, que c'est pas dans celui-là que vous faites les bonnes rencontres ou des habitudes de vie ou comme ça, et que c'est le moment de changer. C'est le moment d'accepter que vos énergies sont en perpétuelle quête d'existence. Donc, elles ont peut-être envie d'exister ailleurs. Peut-être que l'amour se trouve aussi ailleurs. Voilà les amis pour la guidance du vendredi. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Encore un grand merci à tous de votre écoute, de votre fidélité. Merci pour tout votre soutien. Prenez soin de vous. Excellente journée à tous. Et je vous dis à très bientôt sur la Window.